panier que j'ai dedans. Tu sais ce que ça fait les patates qui volent en moins une falaise? Ça peut de merde. Ah, j'en peux plus. Fous ça là. Laisse-la pour la prochaine fois. On a décidé de partir en voyage avec Fabien, Manu et Robin suite à la réussite de notre cours de guide. Le but, c'est de découvrir une région reculée du nord de l'Inde et d'aller essayer d'ouvrir des voies. Voilà. Ça, c'est malade. Incroyable. C'est cool. Hein. Là, c'est le Népal avec les montagnes les plus hautes de la planète qui abrite la majorité des 8000... C'est là qu'on va ? Non. Non. Alors, on rentre par là, par Chandigarh, une cité bâtie par le Corbusier. Dessiné par Fab qui se perd dans l'hélicoptère déjà. Ah, mais déjà l'Indienne, pieds nus, chargés. Oh, okay. C'est la merde. Les copains sont en retard déjà. Mauvaise ambiance pour commencer l'expé. On est. Chien avec la bouffe, ça veut pas dire que c'est des gourmets. Hein. Non, ça veut dire qu'il va vouloir des pâtes aux tomates. Ouais, voilà. Non, tous non, les non, soirs. Lui, il adore et tout. Mais il faut que ça soit bien fait. Ouais, ah, bien. Putain, c'est quand même un coin, un des beaux coins que j'ai vu de la planète, moi, non là. Franchement. Moi, la vie. Regarde le bordel, quoi. C'est bon. Petit coin de paradis. Putain, hein. Mais l'ambiance, bien, quoi. Du chiant. Il y a aussi là, il y a le stabilisation. Je sais pas si c'est bouché ou pas. Le pilier grimpe, tu crois ou pas? On a notre guide qui se fait un petit pétard, hein? C'est un bibi? Non, c'est un pétard. Ah ouais? Ouais. Ah, nickel! C'est bien pour l'altitude, il a dit. It's good for acclimatation, non? Prend un petit peu trop d'initiative privée dans cette jungle, je crois. Hein, Fab? Dans la jungle, on approche gentiment des falaises. Il me semble que c'est un endroit très bien. Mais c'était bien dans Swiss. Mais seulement Fab. Juste en face de nous, il y a des dents. C'est que sur la gauche du sommet à l'ombre, là, c'est. Il y a moins d'herbe. C'est plus raide, il y a des fissures un peu plus nettes, non? Attends, j'ai perdu le sommet, ah ouais. Ouais. Mais il y a moins d'herbe parce que c'est à l'ombre, quoi. Est-ce que ouais. Tu crois que c'est l'ombre qui fait l'herbe? On va se plaire long. On est monté dans des talus longs. This is for religion. Qui sont assez durs, puis ici, il n'y a pas d'eau. Et les mecs, bien sûr, ils sont d'accord nous monter de l'eau, mais on trouve ça quand même.
c'est limite l'esclavagiste, les mecs ringlent là non-stop l'eau en bas. Eux, ils disent que ça les fait vivre, ouais. Mais c'est vrai que si on pourrait trouver un autre spot où il y a une belle falaise avec une belle voie, avec de l'eau, ils peuvent aussi bosser, amener du matos, on leur donne du job qui est un peu plus gratifiant que ça, quoi. Joëlie dans ses œuvres. Moi j'ai coincé les genoux, mais je me suis dit qu'on pouvait sûrement faire en cheminée, mais ça fait comme moi. Mais... C'est ça. Ça joue les gars! Quel est le souci? Quelques rochers sur la route. Tu vas. Ça va, moi c'est bouché puis c'est foutu. Ouais. Valise maison, hein. C'est nous un peu tendu. C'est pas trois cacques qui vont nous arrêter, mais... Il y a peur. On passe à pied tranquille comme ça. Ouais, je pense qu'il faut passer. Une voiture, ça vaut plus qu'un homme, c'est ça que ça veut dire. C'est le bordel. C'est le bordel. Bordel complet. Mais on sait que le Graal est au bout. Et on ira le chercher. C'est pas fini. Les deux seuls ponts de la vallée sont fermés. Mais ça passe, ça. Easy. Allez. Allez, sans nous, on passe sur ce point. On passe à pied d'abord. On close. Oh. Problème à la frontière. Ça va pas passer. On ne peut pas passer. Ça fait une demi-journée qu'on roule sur une mauvaise route. On est rentré dans la vallée qui nous intéresse. C'est très montagneux. Il y a des trucs intéressants qui se profilent le long de la route. Après 300 mètres dans la neige en haut, il a fait crever quoi. On a un chi de cette forêt. On a un chi grave.
Plus on s'approchait du pilier, plus on a vu que le challenge semblait intéressant. Et en tout cas, on était tous motivés pour essayer d'ouvrir une ligne là-dedans. C'est vraiment un beau pilier de granit qui fait 700 mètres de haut. Le rocher a l'air plutôt sain et puis assez raide, du coup motivant. J'ai l'impression qu'il y a 200 mètres jusqu'au toit, puis après 200 mètres jusqu'à 200, 600 mètres en tout. Bon, je dis Fab. Manu, il est d'accord. Tu pars du sommet, t'as le gros toit, tu descends l'arête de droite. Ouais. T'arrives sur un grand plat, qui est certainement au deuxième plan derrière. Ah ouais, d'accord. Bah à gauche de ça, t'as un petit toit. Et après, elle fait un S. Ouais. C'est un beau S comme ça. Je pense pas que c'est un S, parce que c'est pas un toit du style comme on l'a fait l'autre jour, c'est plutôt une espèce d'écaille qui monte. C'est beau, hein. Mais j'arrive pas à faire un panoramique et que c'est pareil de merde. Objectif en vue, dans les nuages encore. Là, on a l'angoisse du départ, là, un petit peu. C'est pas trop ce que ça va donner encore, mais la ligne est assez prometteuse avec plein de fissures, du granit qui a l'air vraiment très sain et puis surtout très fracturé, très fissuré, ce qui va nous permettre de grimper puis de protéger, de bien se protéger. Au sommet de la longueur 4, il pleut vine, mais ça m'a l'air compromis pour la suite aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Ah, ouverture de voie depuis le bas, version himalayenne. Ah, le plus beau des styles. Donc Robin se lance de la tâche. Il est équipé de son matériel de protection autonome et de beaucoup de motivation également. Un joli petit rack. Manu, il a mis le soir, ça. Rakakiki, rakakaku. Ça, on a besoin de ça, je vous laisse. Manu qui décolle pour la longueur 6. Ouais, nickel. Attends, je descends en bout. Allez les gars, on hisse. C'est bien. Yeah. C'est bien. Il est 11 de merde. On ne bouge plus. Maintenant, je peux faire des longueurs d'orthologie jusqu'en haut. Voilà, trop bien. Ça risque d'être summit. On laissera vos places. T'es en train d'insinuer que je suis petit là. On l'a trouvé. La 2. Ouais.
putain, y'a un mec qui a ramené un bouquetin. Mais c'est un oiseau. Fab, c'est une corne de bouquetin, c'est pas un bouquetin. Moi, je peux même pas me coucher, quoi, tellement je suis mal installé. Mes copains, ils ont même pas voulu me donner une bonne place. Donc, tu mens. Il a la meilleure place de tout le base camp, regarde ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il a, c'est lui qui va pas t'en retenir. Ah, j'ai chaud. C'est quoi ce petit fumier rouge? Je sens que je vais bien dormir. On est à Guillet sur une virate là. Non mais sérieux, je suis bien, ouais. C'est le 7 septembre, le jour de l'anniversaire du père. On pousse bien à lui et on part pour le dernier assaut pour le sommet, on espère. Il fait un temps parfait. Super beau. Ça fait mal aux pieds. Ellie, monstre sommet à côté. Pitch 15, Robin! Pitch 15! Pitch 15, dude! Amazing! Real top timing! Jolie robe! Pas besoin de la fissure! Machine! C'est joli de faire des feux, c'est
justement là. Ouais, c'était égal quoi. Sinon ça va. Ah bon. Allez Manu. Juste purge, Rob. Ça, c'est de la purge. Yes, Rob. Hein? Non, Rob. Non, Rob. Ça a l'air pas mal tout ça. Sag panir. Indian food. Yes, sag. Good. What is with some macarons? C'est la première fois que mon. Ah mais non, parce que le col il est pas. Lemon tea. Good tea. Good tea. Rob qui attend ses slips commandés par Céline chez Zalando. C'est pas fait. Et avec des pincettes très efficaces et écologiques, des dégaines. Voilà. Magnifiquement bien. L'eau, température idéale. Beau bassin. Ça va? Ah non, les deux, c'est froid. C'est froid, non? Puis là, c'est quoi niveau. Qu'est-ce qui se passe niveau écologie, Manu? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est dans un climat froid. Et il a une vieille batterie avec un vieux moteur. Et puis tous les matins, il doit faire tourner son moteur une demi-heure, trois quarts d'heure pour donc faire charger ça la nous batterie. Arrange plutôt. Mm-hmm. Parce que là tu fais quoi? Ben, pendant qu'il allume son moteur, comme il le fait tous les matins et tous les soirs, ben, nous on branche notre batterie de frappeuse. Vu et qu'on utilise beaucoup d'accu surtout. Parce qu'on fait beaucoup de trous par journée, c'est ben, ça un faut... peu le truc. Ouais. Quoi. Et parce que Jean il est devenu un peu accro du speed quoi. Puis, il adore bourrer des spits à ça, côté des fissures. C'est ça, c'est sa nouvelle stratégie. Non, c'est sûr. Pour économiser des friends, franchement, quoi. Franchement, faire du A0 skim, c'est efficace. Ça t'avances va plus vite, à une hein. vitesse. Même s'il y a une fissure, on est d'accord. Hein. Bien à toi. Moi aussi. Robin aussi, mais voilà notre petit bivouac. Merde, j'arrive pas à tourner le. Tu peux le mettre dans ton sac? Ah ouais, je fais comme ça. Ouais, ouais. Voilà la vue du bivouac. Donc les sommets majestueux.
une équipe de trous de balles qui sont quand même moins agréables que toi, mais on arrive à faire avec, quoi. Et notre projet de demain, le colosse de chair roqueux, le king. Bonne nuit, Manadounette. Manadounette, je te souhaite. Je me réjouis de te revoir. Je t'aime très très fort. Peace and love, Babylon Rastafari, Abem. Bambokla, Kingston, Jamaica. Bah, y a Manu, il voulait cuisiner. J'ai voulu faire un gag. Et Robin, il m'a dit que ma plateforme était pas assez longue, alors que... Et surtout, de lui puis c'est tout, quoi. C'est vraiment une journée très dure. Il a mis de l'eau froide. J'ai voulu faire une blague et ça a pas passé. Voilà, on se cause plus. C'est dur quand même. C'est quand c'est un copain que tu... Ça me fait chialer ce que tu dis, Manu. Oh putain, c'est dur. Oh putain. Bon, c'est bien trop chaud. Et là, explosion. Il a trop rapproché le resto du combustible. Nickel, Jean, quoi. Bonjour, Jean. Bien, ma poule. La classe. Oh, on va chialer si tu continues, là. Joëlie, non, on suppose le passage clé de la voie. On est deux sur la corde, hein. Oh, les feux d'artifice! Oh! Mec! Dernier relais! Et Fab qui finit! The King! Viens là! Yeah les gars. Putain. Le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon. Le ciel est bleu. Il est bleu, frère. Rien à faire, rien que d'être heureux. Le temps est bon.
viens poser pour ma famille. Tous les mecs qui rentabilisent. J'ai pas fini de représenter le Paris jusqu'en Kabylie. J'ai de quoi militer. Vu que toute la France est en transe, en quête de stabilité. Rien à foutre de la tendance. Je te parle de ce qui me dégoûte quand je chante sous la pluie. Je suis un de ceux qui militent, j'imite personne comme Canteloup. J'appuie sur la détente lyrique, allez, tu fais des tonneaux. Quand je te parle des jours qui se passent mal, comme les dimanches de Bono. Et vas-y, branche ta sono. Je me démarque des idées glauques. J'initie le changement pour qu'on vive une paisible époque.